avec la célébration de la fête du travail. 1er mai 2024, plus de 6 décennies après, personnel et responsable de la présidence de la République renouent avec la célébration de la fête du travail. Sur cette esplanade où ils sont réunis aux côtés du président de la transition et de la première dame, chacun des agents savoure l'instant comme il peut. C'est la première fois que le 1er mai est célébré à la présidence de la République, mais c'est la première fois, privilège énorme, que ce 1er mai est célébré en présence du président de la République. L'événement chaleureux et plein d'émotions marque le début d'une ère nouvelle pour la valorisation du capital humain et de l'ensemble des travailleurs de la première institution du pays. Nous n'avons jamais vécu cela, la présence de la République. Comme venait de le dire le professeur de Satanga en 64 ans, et moi j'ai 16 ans de service à la présidence. C'est la première fois que nous célébrons le 1er mai en présence du président de la République et de son épouse. C'est un événement inédit. Je suis à la présidence de la République depuis 30 ans. Je peux vous rassurer que c'est un fait historique. Depuis que la présidence est présidence, depuis des décennies, nous n'avons jamais vu de tels événements réalisés par le général le plus porteur Oligui Nguema. Oligui, c'est monsieur, depuis qu'on a créé cette structure-là, une fois, depuis le monde entier, qui a commencé Oligui qui a fait la paix faite demain, content. C'est quelque chose de bien qu'on célèbre en collègue, c'est la paix du travail. Les moments de concentration au travail, je crois que cette journée est bien pour qu'on se lève, on apprend à se connaître, on partage un bout ensemble. Depuis l'arrivée au pouvoir du CTRI et du président de la transition, les acquis sociaux se multiplient pour l'amélioration des conditions de travail de ces hommes et femmes ainsi honorés pour la première fois depuis 64 ans. Depuis 1992, je n'ai jamais assisté à un événement aussi grandiose que celui d'aujourd'hui. C'est vraiment, c'est une première depuis que je suis à la présidence. D'ailleurs, les vœux qu'on nous présentait, on n'avait jamais fêté un 1er mai avec tout le personnel de la présidence. Vraiment, c'est une joie immense pour moi d'être là aujourd'hui. Je suis là depuis 2015 et je n'ai jamais vécu un tel événement à la présidence. C'est la première fois et je suis agréablement surprise. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui ont changé que je ne saurais les citer. Le plus grand mot que je puisse adresser au président aujourd'hui, c'est merci. Merci parce que depuis le 30 août à nos jours, il y a tellement eu des choses qui se sont passées et aujourd'hui, c'est un exemple. Vraiment, monsieur le général a porté plein d'innovations à la présidence et vraiment, les agents sont contents. Vous avez vu la liesse populaire quand il est arrivé, tout le monde était content, tout le monde voulait le toucher parce que vraiment, nous sommes très contents de lui. Il est certainement loin le temps où cette journée pour les agents de la présidence de la République n'avait rien de particulier. Aujourd'hui, la cohésion, la motivation, la satisfaction personnelle, mais aussi le talent s'invite à la fête